C'est le dernier petit bout qui nous manque pour faire tout le morceau par cœur. Et en plus, il ressemble énormément à un autre bout qu'on a déjà fait. Si on regarde notre partition en entier, quand on a joué ça au début, tout début, para para pa para para tara 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 tara, ça commence para para pa para para pa para 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 tara 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 para tam. Ce bout qu'on a déjà fait par cœur, qui fait ça. Est-ce que tu t'en rappelles? Tu peux le jouer? La do. Encore une fois, on fait ensemble un et. Cette fois, on va pas tenir le do. Et juste avant ça, on va rajouter trois notes. C'est pas grand chose quand même. Donc avant ça, il y a ré grave, ré, mi, sol. On joue ces trois notes. On n'oublie pas, pour les ré graves, on garde l'index. Hein. Sinon, il ne va pas sortir le ré grave. Ok, donc ça fait ré, mi, sol, la. Et. On détache bien le la. Et. Encore. Et. Vite. Ok, on va faire ré, mi, sol, la, et la suite qu'on connaît, on repart du la, donc on fait comme ça. On fait ensemble un et. Sur le la. Encore. On essaye de tout rassembler, ça fait comme ça. On essaye ensemble. 1, 2, et. Et. Bien par cœur. Et. Super. Si on reprend le bout qu'on a appris en début de semaine, note descente, elle faisait ça. Deux. Et. Il faut bien compter, hein. Quand j'arrive sur ma note de fin, ré, ré, fa, fa, mi, ça c'est un premier temps. Ré, ré, fa, fa, mi, rien. Rien. Ré, mi, sol, la. Il y a deux chutes à compter. Je refais une fois. Rien, rien. Donc tu peux t'entraîner comme ça. Tu peux même dire chute, chute au milieu si ça t'arrange. Il faut surtout bien avoir le bon nombre de temps pour bien tomber avec l'accompagnement.